Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. C'est avec le même plaisir, la même ferveur que nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles à la télévision de Jésus-Christ, comme ça pour commenter le culte d'adoration de ce dimanche 5 mai 2024. Là, nous sommes du côté des États-Unis, précisément au siège de Dallas. Il est question de sasser, eh bien, de ressasser tous les temps forts qui l'ont marqué. 4 temps forts, donc, étaient au rendez-vous pour ce culte d'adoration. Le tout premier, le témoignage de maman Sarah qui a été délivrée de la condamnation du célibat qui pesait sur sa vie. Deuxième temps fort, la prise de parole de la servante de Dieu, messagère de Jésus-Christ, Madame Axa Cassia Olongi, qui a présenté donc au peuple de Dieu le but de leur présence de ce côté-là à Dallas. Bien évidemment, on s'est enchaîné par le message du jour livré par le pasteur Paul Kaungu. Pasteur Paul Kaungu qui a béni le peuple de Dieu au travers le message du jour. Et bien sûr, à la fin, papa Alain Gabriel Olongi, le berger sentinelle, a confirmé le message donné par le pasteur. Voilà ainsi dévoilé, mesdames et messieurs, l'ossature de cette émission. Merci d'être avec nous et de nous suivre de partout dans le monde entier. Commençons d'abord par le tout premier temps fort. Il s'agit bien du témoignage de maman Sarah, qui est troisième d'une famille. Et dans cette famille, il y avait une condamnation au célibat. Si tu réussis à te marier, tu vas divorcer. Cette condamnation a persisté dans la vie de toutes les filles et femmes de ce village. Alors, arrivée au ministère chrétien du combat spirituel, elle a donc découvert ce qui était donc à la base de ce problème dans une révélation. Je vous propose de l'écouter. La continuité. The God of the continuity. Notre Dieu, il agit toujours. Our God is still working till today. Il agira toujours. He is working till today and will always. Je viens compléter mon témoignage. I just came to complete my testimony. Comme j'avais dit la fois passée. Like I said last time. Sans le combat spirituel, nous là, on ne pouvait pas vraiment être dans le mariage. Without spiritual warfare, we wouldn't have stayed longer Dieu in our marriages. Que je puisse connaître le combat spirituel. The Lord allowed for me to know this ministry. Venant de ma famille de 7 enfants. Coming from a family of 7 children, I'm the third born. Je suis la troisième de la famille. I'm the third child of the family. Toute ma famille, my whole entire family, était condamnée de ne pas se marier. They were condemned to divorce. Tu peux te marier, you can get married, mais après tu vas pas rester longtemps au mariage. But you won't stay longer in that quand marriage. Quand tu as un divorce. Enfant ou deux enfants, ils commencent à réclamer. Non, pourquoi tu le fais pour enfanter beaucoup d'enfants? Once you have one child or more, they're gonna start complaining. Why do you have so many children? J'ai vécu ça avec ma tante. I lived that with my aunt. Now in the ministry, I started fasting with all the prayers in this ministry. And the Lord granted me the grace. Il m'a vraiment donné beaucoup de révélations. He gave me lots of revelations. Par les noms, les liens de noms d'abord. Through the links of names first. Il m'a délivré les liens de noms. He delivered me from the links of names. Les noms qui poussaient aux gens de ne pas se marier, de ne pas garder le mariage. The name that was pushing people to get married but not keep the marriage was changed. Dans les prières toujours. Through prayers always. Il y avait une trouble qui était vraiment dans la famille. Les chefs coutumiers, tout le monde était venu à Kinshasa pour réclamer pourquoi j'ai pris. There was so much trouble that the whole chief custom of my family came to Kinshasa. To complain while amour, I was praying. Dieu par son amour, and by God's love, il m'a amené chez maman, chez maman Olangi. He brought me to Mama Olangi. C'était ma vraiment pour ma protection, pour ma délivrance. It was truly for my protection and my deliverance. Et dans des prières, des jeûnes et prières, un through jour. Fasting and prayer. Parce que toute la famille, comme les mariages, vraiment, c'est toujours après les mariages et les divorces. Since the whole entire family, after you get married, you must divorce. J'ai une révélation. Dis révélation. Say revelation. Révélation. Revelation. Sans révélation, c'est un peuple mort. Without a revelation, we are people without knowledge, people that are dead. Un jour, il y avait une grande table, comme une table ronde. God showed me one day in the dream there was a big, great table, circular en passant, table. En passant, ma famille, ils disaient, ils parlaient toujours. Tu vois, notre grand père, il est avec les autorités du pays. Hein? Passing il parlait by, beaucoup comme ça. My family used to say that our grandparents, my les granddad. Les autorités synonymes, synonyme des ténèbres. They used to say that our grandparents had acquaintances, but alors, then they usually jour, meant the dark in the darkness un way. Un jour, dans une révélation. One day in a revelation. On était à l'IPN. We were in UPN.
pendant notre 14 jours de Sarah. Throughout our 14 days of fasting, je voyais une grande table ronde. I saw a great circular table, round table. Vraiment très grande. It was so big. Où il y avait tout autour de cette table. Where around the whole entire table, les filles de la famille. There were the, all the daughters of the family. Toutes les femmes de la famille. Well, all the women of the family. On était assis sur cette table. We were all sitting on that round table. Et moi, je regardais la scène. And I was looking at the scenery. Je voyais un homme géant qui était debout sur la table. I saw a giant man standing on the table. S'il veut se satisfaire à ses besoins, if he wanted to satisfy himself sexually, il prend une femme, he would take one of the women, il met sur la table, and then he placed her on the table. Il se satisfait. And then he satisfies himself. Alors moi je regardais, c'était comme si j'étais étonné de voir c'est quel genre de scène. And I kept looking, I was like, what kind of scenery is this? J'ai commencé à voir c'est qui cet homme là. I wanted to see who was that man. Et quand j'ai tiré l'attention, and when I was doing, I was paying attention. Je voyais les grands-pères. I saw the granddad, qui était chef coutumier, who was a chief custom. Je me disais, oh, mais ça c'est le grand-père, non? I said, this is our grandfather. On l'appelait Mao. They called him Mao. Quand vous l'appelez, il voulait qu'on l'appelle Mao. He wanted to be called that name. Il répond de la Chine. And then he will give an answer. Alors, mais ça c'est Mao. And we said, this is my grandfather. C'est Mao. This is my grandfather. Alors, je cherchais à me détacher de la chaise. I was trying to detach myself from the chair. J'étais collé sur la chaise. I was glued onto the chair. Toutes les femmes étaient collées sur la chaise. All the women were glued onto Alors, the chair. Alors, je me suis forcé pour me mettre debout. I forced myself to stand up. J'étais trop vraiment collé avec le col. I was truly glued with Et glue. Dieu m'a fait grâce comme j'étais dans la prière. And the Lord granted me grace as I was in prayer. Mis debout. I stood up. Je me suis mis debout. I stood up and I detached myself from the chair. And then I jumped from my dream. Whenever I woke up from my dream, I said, what? Toutes les femmes, et la plupart de toutes ces femmes là ici se sont mariées. And that means that all the women in that family belong to him. Il y a même une qui a fait 6 enfants avec un homme. As a proof that all of the women in our family are married or divorced. On a tué l'homme. And there's one that has 6 children, but then they killed the husband. Alors, par son amour, il m'a gardé. But the Lord's love, he kept me. J'ai eu aussi le mariage. Après ça, on m'a vu. After this dream, I was seen à un homme sérieux pour le mariage. By a serious man for marriage. Dieu a permis que on puisse me marier. And the Lord allowed for me to get married. Mama m'a fait marier. Mama Olangi wed me. Et c'est pourquoi aujourd'hui je garde le mariage. And this is why today I'm still within my marriage and still keeping it. Without that, toutes les autres ils ont toujours divorcé. Elles sont divorcées. All the other women in the family are divorced. Alors nous allons bénir ce Dieu. Il est merveilleux. Il fait ces choses dans son temps. That's why I thank the Lord because He does things in His time. C'est comme ça j'ai eu ma délivrance pour les divorces. And this is how I got the deliverance from the spirit of divorce from my family. Il y a beaucoup de témoignages. There are many other testimonies. Comme aujourd'hui c'est juste alors Since today it's a special Sunday service. Je suis venu juste montrer qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie. I just came to show what God can do in our lives. Qu'est-ce que Dieu de Olangi peut faire? What the God of Papa Olangi can do in our lives. Et par son amour m'a donné le travail de cure d'âme pour connaître les démons d'abord de ma famille. And by His love He also gave me the job as a curator of soul to know what happened to families. Et le discernement des esprits. And discernment of spirits. I bless the Lord for that. Je vous aime bien. I love you all. Thank you. God bless Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour ces grands témoignages? Étant déjà au courant de ce qui se passait sur le plan spirituel au travers de la révélation, la servante de Dieu a cherché Dieu dans la délivrance, dans les jeûnes et prières, et le Dieu qui s'est révélé à elle l'a délivrée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Elle s'est mariée. Elle n'a pas divorcé et plus encore le bonus que le Seigneur lui a accordé, elle sert Dieu au niveau de la cœur d'âme. Les lois établies, les condamnations ne sont pas éternelles. Il y a un seul Dieu qui est éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous suis de partout dans le monde entier, peut-être dans votre famille aussi, il y a ce lien-là de célibat, peut-être c'est le divorce, peut-être c'est la maladie, et la mort précoce. Active-toi comme ce fut le cas de maman Sarah dans la recherche de la cause de ton problème. Et Dieu qui a visité maman Sarah, qui a donné un foyer stable, là où toutes les filles, les femmes de sa famille divorçaient, elle a réussi à se maintenir dans le foyer et servir Dieu. Comment ne pas bénir ce Dieu qui brise les lois établies et les condamnations? Un témoignage puissant qui a conduit les chrétiens combattants du siège de Dallas à bénir le Seigneur, à l'adorer pour ses merveilles sans nombre. Le deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est la prise de parole de maman Axa Kaseya Olangi qui a présenté donc la délégation qui se retrouve du côté de Dallas et le but de leur présence là-bas suivant. Pour
voyez le décor est planté. As we see the decoration. Nous sommes venus ici à Dallas, aux États-Unis. We are here to, in Dallas, in the United States. Nous sommes une grande délégation. We are a big delegation. Nous sommes juste l'échantillon. We are only here builders. Les autres sont en route en train de venir. Others are only coming, still coming. Il y a mon mari et moi. My husband and I. Il y a Papa Zico que vous connaissez. There's Papa Zico that il peut se tenir know. Debout. May he stand up. Le mari de Maman Da Silva. The husband of Mama Da Silva. Que Dieu le bénisse. May the Lord bless him. Nous avons Papa Rodrigue de Houston. We have Papa Rodrigue from Houston. Que Dieu vous bénisse, Papa. May the Lord bless him as well. Nous avons Maman Mboyo du siège de Iowa. We have Maman Mboyo from Iowa branch. Que Dieu vous bénisse, Maman. May the Lord bless you as well. Alors, les autres sont en route. Others are still on their way. Nous sommes venus. We are here. Parce que Dieu a fait des grandes choses. Because God has done great things. Il y a la fille de Papa Alain. There's a daughter of Papa Alain. Qui a fini ses études. Who finished her studies. À l'université de Oral Roberts à Tulsa. In the University of Oral Roberts in Tulsa. Et nous étions allés là-bas le samedi hier. Saturday. Et nous avons glorifié le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. To glorify the Lord for what he has done in her et life. Et par la grâce de Dieu, elle a fini ses études. And by the grace of God, she finished her studies. C'était pas facile. It was not easy. Et nous étions nombreux pour l'honorer. So we were there numerously to honor her. C'est notre raison d'être ici aux États-Unis. This is why we're here in the United States. Alors, étant donné que le siège de la ville de Tulsa et de Dallas. So since the branch of Tulsa, the town of Tulsa and Dallas. Ils sont juste à proximité. So we are in proximity. On s'est dit dimanche, on viendra adorer le Seigneur avec vous. So we said lui. On Sunday we're gonna come and worship donc, over here. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous. We are in joy being amongst you. Il y a Papa Alain qui est en route. There's Papa Alain who's still on the way. Avec sa femme. With his wife. Et Maman Sophie et les autres délégations. And Mama Sophie and the other delegations. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Can you put your hands together for je Jesus? Je crois que par la grâce de Dieu, dans and une trentaine de minutes, tu pourras être parmi and nous. And I believe by the grace of God, in a few minutes, they'll be amongst us. Ils étaient un peu restés là-bas pour aussi passer le temps avec la servante de Dieu. They stayed there a little bit to spend time with the servant of God. La fille de Osborne. The daughter of Osborne. Maman la Donna Maman Osborne. Maman la Donna Osborne. Qui était venue à Kinshasa. Who came to Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, elle est aussi membre de gestion de l'université de Oral Roberts. And by the grace of God, she's also a member in the University of Oral Roberts. Elle était venue prêcher à Kinshasa, la cité de triomphe. She went to preach in Kinshasa, at city of triumph. Et c'est par là que elle and it's by there que Carmelia Olangi a eu la grâce d'accéder à l'université. That Carmelia Olangi had the grace to excel in university. C'est elle qui avait facilité l'accès à l'université. So she allowed her access into the university. Alors le matin, ils avaient aussi un service dans leur église là-bas in à Tulsa. In the morning, they had a service. In Tulsa. Et ils étaient restés aussi pour participer et la remercier. And they went there to participate and thank donc, her. Je crois que d'ici là, ils seront là avec nous. So in a few minutes, they'll be with us as donc, well. Donc on est venu adorer avec vous. So we're here to worship with you. Comme notre thème aujourd'hui le dit. As our theme says. Que notre Dieu a la capacité de guérir les cœurs brisés. That our God has the capacity of broken hearts. Nous sommes venus célébrer la victoire de Carmelia. We're here to celebrate the victory of Carmelia. Et nous savons aussi que cette victoire aussi vous sera transmise cet après-midi. We know that this victory will also be transmitted. Là où quelque part il y avait des problèmes, des difficultés. Where there's been problems and difficulties. La victoire que nous avons célébrée à Tulsa. The victory that we celebrated in Tulsa. Et aussi votre victoire aujourd'hui. It's also your victory today. Et cette semaine c'est une semaine de victoire. And this week is a week of victory. C'est une semaine où le Seigneur va vraiment essuyer les it is where the Lord is going to wipe away tears. Il va guérir les cœurs brisés. He will heal the broken hearted. Et nous sortirons de ce lieu avec des témoignages. And you will leave this place with testimonies. Si nous le croyons, nous acclamons le Seigneur pour cela. Let's put our hands together for Jesus. Et pour aujourd'hui, la situation séjourne donc du côté de Dallas pour comme ça bénir le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles dans la vie de la progéniture et des Olongi, notamment la fille cadette de Papa Alain Gabriel Olongi qui a donc eu sa graduation. Preuve que le Dieu du combat spirituel, le Dieu de la continuité, continue à agir. Alors à tous ces parents-là qui ont encore des enfants, qui n'ont pas encore excellé sur le plan scolaire, au plan académique, continuez à croire, à prier. Le Dieu qui a visité Papa Alain Gabriel Olongi, berger sentinelle, l'a visité sa fille, va aussi faire dans votre progéniture. Le troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est le message du jour ainsi livré par le pasteur Paul Kaungu, inspiré sur le thème de l'adoration, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Une des missions de Jésus-Christ sur la terre, nous sommes là dans Luc 4, le verset 19, l'Esprit dit. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Donc Jésus-Christ est donc notre consolation. Il vient comme ça nous guérir, nous qui avons le cœur brisé. Alors, pour avoir cette guérison, pour avoir ce miracle, nous devons être dans un endroit précis. Alors, ce fut le cas de Siméon.
Dieu l'avait divinement averti, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Alors, quelle action a-t-il posé pour rencontrer Jésus suivant? Mais qu'est-ce qu'il a fait? But what did he il do? S'est déplacé. He moved pour aller au temple. To go to the temple. Répète avec moi le temple. Repeat after me the temple. On reçoit la vraie consolation au temple. You receive the true ah, je dis à quelqu'un qui recevra la consolation. You receive consolation. Il s'est déplacé. He went, he il ne s'est pas détaché du temple. He didn't detach himself from the temple. Il était au temple. He was in the temple. C'est là où il attendait. It's where he was waiting. Les salis. C'est là où il attendait la consolation. Qui est la consolation? Oui, le monde peut sembler te donner la consolation. Yes, mais ce n'est pas la vraie consolation. But it's not the la true seule comfort. Personne person qui donne la consolation, c'est Jésus-Christ. La seule personne person qui donne la consolation, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les personnes today, people, peuvent te dire, nous sommes venus te consoler. We came to comfort you. Leur consolation finira. Their comfort will end. Mais la consolation de Jésus Christ, ne finit jamais. It will never end. La consolation de Jésus Christ, ne termine jamais. It never ends. Il était au temple. He was in the temple. Assis. He sat there. Il attendait. He heard la consolation. The comfort. Il se disait, he was saying, où est cette consolation? Where is this comfort? Qui va m'amener cette consolation? Who will bring me this comfort? D'où va sortir cette consolation? Where will this comfort parce come ton from? Cœur because his heart était brisé was broken à cause de son âge. Because of his soul. Je risque de partir comme ça said, I'm at risk of passing, sans avoir vu la consolation. Without seeing comfort. Alors, la seule chose, the only thing, je dois rester au temple. I must stay in the temple. Lorsqu'il était au temple, whenever he was in the temple, il ne savait pas he didn't know que la consolation était déjà venue. That comfort already ah, bien came. Aimé, tous ces problèmes qui te dérangent. All the problems mais la consolation come to est devant toi. But the comfort is already before la solution you. Est devant the toi. Solution is before you. La consolation était déjà née. The comfort was already there. Alors, then, Marie Mary et Joseph, and Joseph, Dieu va leur parler. God will speak to them. Prenez l'enfant. Take the child. Après 8 jours, after 8 days, ils sont partis au temple. They went to the temple avec leurs tourterelles. With their little things that were des given. Des pigeons. Two pigeons. Image de sacrifice. As a sacrifice. Lorsqu'ils arrivent au temple, whenever they got to the temple, c'est là où les oracles vont sortir. It's where the oracles will come. Bien aimé, out. C'est au temple que ta révélation beloved, sortira. It's within the church. C'est à la maison de Dieu que ta révélation it's sortira. It's in the house of God where revelation c'est à la maison de Dieu que ta destinée sera découverte. It's in the house of God where your voilà destiny pourquoi will be discovered. This is why. Ne quitte pas le ministère. Do not leave the ministry. Il faut être toujours attaché là. You must always be attached to. Parce que ta consolation est ici. Because your comfort comes from here or parce it's here. Qui disent. Because les parents say, sont partis. The parents mais les parents sont partis, la consolation est là. The parents passed, but les the parents sont partis, here. Les enfants sont là. The parents passed, que but the Dieu a placé à la tête. As the head. Et voilà maintenant, how, Joseph now, arrive avec l'enfant Jésus. Joseph gets the child Jesus. Lorsque Simeon, whenever Simeon a pris l'enfant, he takes the child, il a rendu grâce. And then he gave grace. Oh Seigneur! Lord! Sois glorifié, sois béni. Be glorified, be blessed. Que mon âme repose en paix. Let my soul rest in parce que j'ai vu la consolation. Because I've seen the comfort. Répète avec moi la consolation. J'ai vu la consolation. I've seen the comfort. J'ai eu la vie. Siméon, avant de mourir, a donc palpé la promesse que Dieu l'avait faite. Parce qu'il est au temple, il a vu le Messie. Il a eu l'accomplissement de la promesse. Alors toi et moi, nous avons une promesse que Jésus nous a faite. Est-ce que nous suivons donc les instructions? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes à l'endroit où Dieu nous attend? C'est important, mesdames et messieurs, à suivre les instructions de Dieu, surtout en cette période de jeûne où nous sommes en train d'attendre la consolation du Saint-Esprit. Alors, une fois au temple, c'est comme les disciples de Jésus. Jésus avait dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Ils ont obéi. Et une fois le Saint-Esprit est venu, il a opéré son travail. Et l'homme de Dieu, dans la poursuite de son message, nous a parlé des bénéfices liés à la présence du Saint-Esprit suivant. Aïe, aïe, aïe. Nous allons à la Pentecôte avec des guéris. Il nous reste 2 semaines. We only have 2 weeks left. Dieu veut que nos cœurs soient guéris. Lorsque nos cœurs soient guéris, sont guéris, c'est là où il y a la transformation. That's where the transformation takes place. La deuxième des choses, the second of things, vous savez que et Simeon manquait la paix. You know that Simeon, he lacked peace. Il dit maintenant, Seigneur, he says, now, tu Lord, laisses ton serviteur s'en aller en paix. Now let your servant die in peace. Ah, reçois la paix. Receive peace. Receive peace. Reçois la paix. La paix. Peace.
C'est ce que les disciples attendaient. It's what the disciples were waiting Dans on. Les couples, nous avons besoin de la paix. In couples or marriage, we need peace. Dans les églises, nous avons besoin de la paix. In our churches, we need peace. La paix est très importante. Peace is very important. Oh, la consolation, c'est Jésus. Comfort is Christ. La paix aussi, c'est peace Jésus-Christ. Is also Christ, ah, ce soir, cet après-midi, tonight, this afternoon, Dieu va introduire la paix dans ton cœur. Il va procurer la paix dans ton cœur. He will procure peace within your heart. Et voilà pourquoi nous sommes appelés. This is what we were called. À procurer la paix. To procure peace. Voilà pourquoi. This is why. Hébreux 12, 14, la Bible dit. Hebrews 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Seek peace with all. Et la sanctification. And holiness. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Without which no one can see the Lorsque Jésus guérit nos cœurs. Whenever the Lord heals our hearts. Il veut que nous aussi nous puissions guérir les cœurs des autres. He also wants us to heal other people's Lorsque hearts. Jésus console nos cœurs, Whenever he comforts il veut our hearts, que nous consolons aussi nos, he les also autres. Wants us to comfort voilà others. Le rôle du Saint-Esprit. That's the role of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, que nous allons fêter Whenever we will son anniversaire, his anniversary, le 19, on the 19th for Pentecost, il vient pour nous consoler. He comes to comfort il vient pour nous communiquer la paix. He comes to communicate peace ah, with que us. Dieu bénisse Papa Allen pour ce thème. May the Lord bless Papa Allen for oh, this theme. La personne qui a communiqué, the person that communicated, c'est constant. This que realization Simeon reste au temple, for Simeon to stay in the temple, on dit c'est poussé par le Saint-Esprit. It was pushed by the Holy Spirit. Ah, tu seras poussé par le Saint-Esprit. You will be pushed by the Holy Spirit. Tu seras poussé par le Saint-Esprit. You will be pushed by the Holy Spirit. Tu seras poussé par le Saint-Esprit. You will be pushed by the Holy Spirit. Écoutez, les gens croient que Listen, people think that nous allons invoquer le jour du 19 là le Saint-Esprit de descendre. We're going to call upon the Holy Spirit that same day for him to come non. down. Non, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. The Holy Spirit came down. Il est déjà permanent. Ces jours-là, nous allons festoyer. Ces jours-là, nous allons nous déborder. We're going to feast. Nous allons demander sa manifestation. We're going to ask for his nous allons nous réjouir We're going to rejoice de ses œuvres, of his work, de ses dons, of his work, de ses manifestations, of his manifestation, de ses onctions. Of his Mais avant que nous puissions arriver là, il veut que there, nos cœurs soient guéris. Que ton cœur soit guéri. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alors, on ne cherche pas à compliquer les choses. Do not seek to complicate things. J'ai toujours dit ceci. I've always said this. Mais c'est Dieu qui nous cherche, c'est un Dieu d'amour. The God that chooses us is the God. He is God of love. Lui-même est amour. Himself, he is c'est love. C'est ça qui lui a poussé de venir. That's what that pushed him to come. Il y a des fois nous mettons des barrières, des conflits dans nos cœurs. Sometimes we have barriers in our heart and conflicts. C'est ça qui pousse que le Saint-Esprit ne puisse pas agir. This is what pushes the Holy Spirit to not work. En principe, nous sommes enfants de Dieu. As a principle, lorsque we're children of God. Lorsque nous regardons ici, nous venons de tribus différentes. Whenever papa, je suis. We come from different tribes. Des tribus différentes. We come from different tribes. Des races différentes. Different races and ethnicities. Mais pourquoi lorsqu'on vient à l'église, But whenever on we come peut to rencontrer church, encore des isanies, we can come and encounter bad things, des querelles, misunderstandings, des oppositions. Pourquoi? Oppositions. Why? En principe, le vrai amour, c'est ici. The true love is c'est ici nous here. Devons trouver la vraie consolation. This is where we must find true c'est comfort. Ici nous devons trouver la vraie paix. Here is where we must find true pourquoi peace. Les tiraillements l'un et l'autre? Why misunderstandings among each Tous other? Nous sommes un en Jésus. All of us were one in Christ. Jésus est la consolation. Jesus is the comfort. Lorsqu'il vient, nous console. Whenever he comes, he comforts us. Vous savez, la consolation vient. You know, comfort comes. En essuyant les larmes. To wipe tears. Cet après-midi, Dieu va t'essuyer les larmes. This afternoon, the Lord will wipe away your tears. Cet après-midi, Dieu va t'essuyer les larmes. This afternoon, the Lord will wipe away your tears. Donc, lorsque la consolation arrive. Whenever comfort comes. D'abord, Jésus est la consolation. First, il amène Jesus la the paix. Comfort. He brings peace. Il guérit les cœurs. He heals the heart. Pas tout simplement, il guérit les cœurs. Not just the heart. Not just healing the heart. Les disciples de Jésus, à sa mort, avaient le cœur brisé. Ils étaient désespérés, désemparés. Ils sont retournés à ce qu'ils avaient laissé, notamment Pierre. Pierre est retourné à la pêche nue. La nudité, c'est la sorcellerie. Et toi et moi, à quoi sommes-nous retournés après le départ des parents? Maman, tu es retournée à mettre les cheveux jaunes, les habits démembrés qui laissent le corps. Papa, du centre pénal, tu es retourné à l'alcool, au deuxième bureau. Jeune de la JCC, retourné aux boîtes de nuit, au copinage, à la tricherie, à la corruption. Mais non, restons au temple. Jésus avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem. C'est là où vous serez visités par le Saint-Esprit. Mais eux, ayant le cœur brisé, n'ayant pas compris. Jésus a passé 3 ans à enseigner ses disciples, mais ils ne l'ont pas compris. Qu'est-ce qui t'a brisé le cœur? Qui t'a brisé le cœur? Tu as perdu un être cher, le départ des parents,
où les parents t'ont laissé dans sa présence, dans l'intimité avec Dieu. Mais pourquoi tu quittes? Pourquoi tu t'éloignes du temple? Pourquoi tu t'éloignes de la présence de Dieu? Nous sommes dans un programme de 50 jours, une préparation à la Pentecôte. Mais toi, où tu prépares ta Pentecôte? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Revenons à l'Éternel. Revenons au temple. C'est au temple que Siméon a eu l'accomplissement de la promesse. Et il a même prophétisé sur Jésus. Tu attends la bénédiction, les prophéties, les miracles. Mais où es-tu? Développons l'intimité avec Dieu. Peu importe les situations qui nous sont arrivées, les moments difficiles que nous passons, restons accrochés. Ce fut le cas de Joseph d'Arimathée, de ses trois femmes. Malgré que Jésus était parti, reconnaissant de ce que ce Dieu a fait pour eux, ils étaient toujours à côté, attachés au corps de Jésus. Et l'homme de Dieu a pris cet exemple pour nous illustrer l'amour de Dieu, la reconnaissance pour ce que Jésus fait dans nos vies. Suivant. Tu procures ou tu enlèves la paix? You give peace or you take away peace? Simeon était consolé. Simeon, he was comforted. Il y a encore deux personnes dans la Bible. There's also two other people in the Bible. Il y a Nicodème. There's Nicodemus. Et Joseph d'Arimathée. And there's Joseph of Arimathea. Jésus est mort, leur cœur était brisé. Jesus died, their hearts were broken. Mais ce que j'aime à Nicodème, what I love with Nicodemus, ce que j'aime à Joseph d'Arimathée, what I love with Joseph of Arimathea, malgré leur cœur était brisé, despite that their hearts were broken, ils étaient attachés même au cadavre. They attached to even the cadaver, the body of Christ. Vous êtes avec moi? Are you with me? Ils savaient que Jésus là, they knew that Jesus, c'est lui qui est capable, he's the one that's able, de guérir le cœur, to heal the heart. Parce que lui qui a dit, because he's the one l'esprit that said, du Seigneur est sur moi, the spirit of the Lord is upon me, il m'a ouin, he has anointed pour annoncer me la bonne nouvelle, to bring the good news, pour guérir le cœur, to heal brisé, the broken hearted. Joseph d'Arimathée, Joseph of Arimathea, il regardait de loin, he saw from les far, les apôtres sont partis désespérés, the apostles leur cœur left, brisé, hopeless, and their hearts were broken. Nicodème aussi a regardé. Nicodemus also looked. Ils se sont regardés les deux. They looked at themselves. Mais tout le monde est parti. But everyone left. C'est Jésus qu'on l'a suivi. It's the Jesus that we follow. On l'a laissé comme ça. But why would they leave him like que that? Que devons-nous faire? What can we do? Les cœurs brisés se sont approchés auprès de Pilate. The broken hearted got next to Pilate. 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 S'il te plaît. Please. Est-ce que tu peux nous donner le corps? Can you at least give us the corpse? Qui est devenu déjà cadavre? That's already become a cadaver. Pilate les a accordé le cadavre. Pilate gave them the cadaver of Christ. Il dit prenez. He said take it. Leur cœur brisé. They're broken hearted. Nicodème est venu avec un mélange d'aloïe. Nicodemus came with all these aromas. Et Joseph d'Arimathée avait le sépulcre tout neuf. Joseph of Arimathea, he had a new tombstone. On est parti déposer le cœur de Jésus. And they went to put the tomb, the le body of Christ. Le cœur brisé. The broken hearted. Mais c'est le cœur qui travaille pour Jésus. But it's the same c'est heart. C'est le cœur qui cherche Jésus. It's the same heart that seeks ah, Jesus. Tu n'as pas dit amen très fort. You say amen, amen. Donc ces personnes, those people, leur cœur brisé, they're broken hearted. Mais ils étaient attachés. But they were attached. Bien aimés. Beloved. Lorsque tu es attaché au temple, tu es attaché au ministère, you're attached to the ministry, aux enseignements, to the teachings, à tous les programmes de la prière, all the programs of the prayer, bien aimé, beloved, toutes les bonnes choses de la consolation, all the good things, consolation, vont te comfort, localiser. They will locate you. Vont te localiser. They will locate you. Et après la résurrection de Jésus, and after the rising Jésus of Christ, savait Christ knew qu'elle est. Après la mort de Jésus-Christ, les disciples étaient désespérés, désemparés, sont retournés à l'ancienne vie qu'ils avaient. Pierre retournait à la pêche. Alors toi et moi, après le départ des parents, beaucoup de cœurs ont été brisés. Mais où sommes-nous allés? Ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils s'entretenaient, désespérés, abattus par la mort de Jésus qui avait dit qu'il allait mourir, il allait ressusciter après 3 jours. Alors pendant qu'ils étaient en train de s'inquiéter sur le chemin, Jésus les a apparus. Ils s'étonnaient de savoir ce que Jésus n'était pas au courant qu'il y avait un Christ qui était mort. Pourtant, ils étaient même avec la personne qui était ressuscitée. C'est en faisant chemin qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont avec le Christ et là, il a disparu. Ils se sont dit, c'est mieux qu'on retourne à Jérusalem en attente de ce que Jésus qui nous avait promis, le Saint-Esprit, la consolation. Alors, toi et moi, papa, maman, jeune, où es-tu parti? As-tu quitté la présence de Dieu, l'intimité de Dieu? Reviens. Reviens suivre les enseignements. Reviens au ministère chrétien du combat spirituel. Là où Dieu t'a appelé. Là où les parents de leurs vivants t'ont laissé. N'abandonne pas. Tu as été brisé. On t'a haï. On a médit sur toi.
reviens à l'Éternel. N'abandonne pas la présence de Dieu. Tu seras visité comme Siméon. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette parole de l'homme de Dieu. Pasteur Paul lui-même qui a vu comment sa vie a été restaurée. Alors il est resté accroché. Même quand les parents sont partis, il est toujours là. En train de chercher sa délivrance, sa famille a été restaurée. Il est reconnaissant. Soyons reconnaissants à ce Dieu-là. S'il a fait quelque chose dans notre vie, revenons à l'Éternel. Et Dieu qui ne change pas, qui n'échoue pas, va nous faire du bien. Nous allons expérimenter la consolation du Saint-Esprit. Le dernier temps fort de ce commentaire d'adoration, c'est la prise de parole du papa Alain Gabriel Olongui, le berger sentinelle, qui est venu par un message court mais très éloquent, un message court mais pertinent pour confirmer le message du pasteur Paul Kaungu. Je vous invite à le suivre. As the example like Pastor Paul said, à l'exemple de ces femmes qui sont allées au tombeau voir si Jésus était encore dans le tombeau. As an example of those women that went to see if ces femmes-là savaient. Those women, they knew. Et elles voulaient être sûres. They wanted to be sure que le corps de Jésus, that the corpse of Jesus, était bien protégé. Was well kept. Parce que celui-là, because that one, n'était pas n'importe qui. He wasn't just anybody. Celui-là, that one, comme il avait dit aux pharisiens, aux scribes, like he told the Pharisees, je suis venu, I've come, de la part de mon père, from my father, j'ai été envoyé, I was sent, pour guérir les cœurs brisés. To heal the broken-hearted. Ces femmes-là savaient. Those women knew. Et parmi ces femmes-là, and amongst those women, il y avait une femme, there was a woman, possédée de démons. A woman that was possessed of demons. Elle avait beaucoup de démons. Elle était persécutée par les démons. She was persecuted. She had so many demons in her. Mais parce que Jésus-Christ était venu pour elle, but because Christ came for her, Jésus l'a libérée. Christ freed her. Cette femme s'appelait Salomé. This woman, her name was Salomé. Acclamons le Seigneur. Let's pray together for Jesus. Possédée. Possessed. Mais elle devait aller comme Jésus l'avait libérée. But she had to go since Christ Jésus freed avait her. Fait du bien dans son cœur. Christ did good to her. Elle heart. Voulait se rassurer que le corps de Jésus-Christ avec les deux autres maris, she wanted to reassure herself with the other two était Marys, bien protégé. That the corpse of Christ was well kept. Un autre. And the other one, Joseph d'Arimathée. Joseph il connaissait l'importance de la mission de Jésus. He knew the importance of the mission of Christ. Lui, him, a pris le risque. He took the risk. Il est allé voir Pilate. He went to Pilate. Il savait qu'il risquait la mort. He knew that he was risking mais his own il death. Il est allé voir Pilate. But he went to see Pilate. Donnez-moi le corps de Jésus. Give me the body of the celui-là, corpse of Christ. That one. Que vous avez tué. That you've killed. Il a été envoyé. He was sent. Pour guérir nos cœurs. To heal our hearts. Il a guéri mon cœur. He healed my heart. Donnez-moi le corps de Jésus. Give me the corpse of Jesus. Amen. Amen. Alors. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Lui, il a parlé de tourterelles. He spoke about the gifts lui, that were il brought. Est allé, il a commencé par aller acheter des linceuls. He first went and bought the incense. Il est allé acheter des draps blancs. He went to buy white sheets. Pour couvrir le corps de Christ. White linens to cover the body of parce Christ. Parce qu'il connaissait. Because he knew. L'importance de ce corps-là. The importance of that body or that déjà corpse. De son vivant, Jésus. And from his living, a Jesus, guéri son cœur. He healed his heart. Alors, on ne peut pas laisser le corps de Jésus. And we cannot leave the corpse of Jesus. Gisser comme ça. Just like that. Il a pris ce risque. He took that risk. Il a acheté. He bought des draps, he bought linens de haute facture, he bought linens that were very expensive pour couvrir le corps de Jésus, to cover the corpse of Jesus. Et il a donné son jardin, and then he gave his own garden et son tombeau, and his own things pour protéger le corps de Jésus, to protect the body, the corpse of Jesus. Acclamons le Seigneur. That's what I had together for Jesus. Si il a fait, if he did parce that, parce qu'il reconnaissait ce que Jésus avait fait dans son cœur. It's because he was realizing pareil the greatness avec that ces trois femmes là dont je viens de parler. Also with this woman. De Marie, the two Marys, et Salomé. And Salome. Qu'est-ce qu'elles ont fait? What did they do? Il a guéri nos cœurs. He healed our hearts. Il a fait du bien dans nos cœurs. He did good to our hearts. Ils sont allés acheter un pot d'huile d'aromate. They went to buy incense. Pour enrober, embaumer le corps de Jésus. To embalm the body mais of Jesus. Mais pourquoi? But why? Mais parce que. Because. Jésus avait guéri leur cœur. Jesus healed their hearts. Et il fallait protéger ce corps. And he had to protect that corpse. Elles savaient que Jésus allait ressusciter le troisième jour. She knew that Christ was going to resurrect on the third parce day. Parce qu'elles écoutaient quand
Jésus disait ça aux disciples. Because they heard whenever Christ was speaking to the disciples. À chaque fois que Jésus parlait aux disciples, every time Christ spoke to the disciples, ces femmes étaient là en train d'écouter. Those women were there, they were listening. Amen. Amen. Elles savaient. They knew. Elles se sont dit, they told themselves, nous devons protéger ce corps de valeur. We must protect this corpse of value. Ce précieux corps, this precious corpse, qui nous a fait du bien, that did good to us, qui a guéri nos cœurs, that healed our hearts. Parce qu'il doit normalement ressusciter le troisième jour. Because he has to rise on the third day. Acclamons le Seigneur. Let's put our hands together for the Lord. Bien-aimé, beloved, le berger sentinelle a posé une question capitale. Joseph d'Arimathée, reconnaissant les bienfaits de Dieu, a veillé sur le corps du Seigneur. Les trois femmes qui ont expérimenté la guérison de leur cœur brisé sont revenues arroser le corps de Jésus par ses beaux aromates. Alors vous et moi, chrétiens combattants, qu'est-ce que nous faisons pour protéger l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour garder, maintenir ce ministère debout? Quelle action avons-nous posée? Suivons l'homme de Dieu. Est-ce que Jésus a fait du bien dans le cœur de quelqu'un? Has Jesus done good in the heart of someone? Est-ce que Jésus a déjà guéri le corps des mamans de Dallas? Has Jesus already healed le cœur, le cœur des mamans de Dallas? The heart of a mother. Est-ce que Jésus-Christ a déjà guéri le cœur des papas de Dallas? Has Jesus Je vois ce beau papa devant ici. The heart of a father. Est-ce que Dallas? Jésus a guéri ton cœur? Has the Lord healed your heart? Et papa Gédéon. Papa Gideon. Est-ce que Jésus a guéri ton cœur? Has the Lord healed your heart? Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. We're going to worship the Lord. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, because from today on, il y en a qui auront leur tourterelle. There are others that will have il y en a qui vont amener leur drap. There's the other will bring their linens. Il y en a qui vont amener des vases d'huile d'aromate. Others will bring their incense. Pour couvrir le siège de Dallas. To cover and protect the branch le of Dallas. Le siège de Dallas. The branch of Dallas. C'est le corps du Christ. It's the body of Christ. Le siège de Dallas. Branch of Dallas. C'est le corps de Jésus. It's the body of Christ. Alors, qui va protéger ce ministère? Who will keep this ministry, this branch? Contre les envahisseurs. Against those who will come to contre try to le diable et ses acolytes et ses agents. Against the enemy and his agents. Papa a dit. Pastor Paul said. Dieu lui a fait du bien. God has done good. À lui, son épouse et ses enfants. For his family. Mais si Dieu nous a fait du bien. But if the Lord has truly done si us Dieu good. A guéri nos cœurs. If God has healed our nous hearts. Nous devons protéger notre siège. We must protect our branch. Nous devons protéger le corps du Christ. We must protect the qui body nous of Christ. A fait du bien. That has done us good. Ce que les disciples n'avaient pas fait. What the disciples did not do. Ces mamans l'ont fait. Those women did it. Et Joseph d'Arimathée l'a fait. And Joseph mais normalement, c'était les disciples qui devaient le faire. But the disciples were the ones who were supposed alors, to do Jésus it. Alors Jésus devait revenir. Christ has to come back. Ressuscité. He had to rise. Pour que so that il rappelle à ses disciples so that he can remind his disciples je suis venu that I've de mon vivant come, I've come when I was alive pour guérir vos cœurs to heal your mais hearts mais pourquoi êtes-vous toujours incrédule but why are you still in disbelief pourquoi vous n'êtes pas comme ces femmes là why are you not like these women pourquoi vous n'êtes pas comme Joseph d'Arimathée why are you not like Joseph of Arimathea pourquoi vous dormez why are you pourquoi asleep pourquoi vous êtes dans votre sommeil why are you in slumberness il devait revenir he had to come back to life pour dire à ses disciples, to tell those disciples, revenez auprès de moi. Come back near me or c'est next moi to qui me. Change les cœurs. I'm the one that changes c'est the moi heart. Qui transforme les cœurs. I'm the one that transforms n'ayez the heart. Plus ce cœur incrédule. You no longer have that n'ayez heart of disbelief. N'ayez plus ce cœur de dureté. Let go of that heart of disbelief. Revenez vers moi. Come back near me or towards 40 me. Jours il a fait avec ses disciples. For 40 days he did with his disciples. Ressuscité. Resurrected. Pour que leur cœur soit transformé. So that their hearts can be transformed. Pour faire du bien à leur cœur. To do good to their heart. Pour guérir leur cœur. To heal their heart. Et c'est ce qui a été fait pendant 40 jours. It's what happened during 40 days. Et la suite, nous le verrons. And at the end, we're going to see it. D'ici le 19 mai. Here on the 19th of May. Comment est-ce que les disciples to see how the disciples n'étaient plus le même lorsque Jésus est monté au ciel. We're no longer the same whenever Christ ascended to heaven. Parce que Jésus est revenu pendant 40 jours. Because the Lord came back for 40 days. Pour guérir les cœurs des disciples. To heal the hearts of the disciples. Et quand Jésus est monté and whenever he ascended, à l'ascension de Jésus, whenever he ascended, les disciples n'étaient plus le même the disciples were no longer the same. Que lorsqu'il Jésus-Christ était ressuscité. Then when Jesus Christ resurrected. Alors j'aimerais avoir des acclamations. I would like to hear a shout of Jesus Christ to the honor of Jesus Christ.
qui guérit le cœur de quelqu'un en ce moment. Who is healing someone's heart tonight? Celui-là qui est dans le désespoir. The one who's in despair. Celui-là qui est dans l'humiliation. The one who's in humiliation. Celui-là qui est dans la déception d'amour. The one who's in deceitfulness. Celui-là qui ne sait plus où aller dans le chômage. The one who doesn't know where to go. Le Seigneur guérit ton cœur. The Lord is healing your heart. Le Seigneur guérit ton cœur. The Lord is healing your heart. Le Seigneur guérit ton cœur. The Lord is healing your heart. Et nous allons adorer le Seigneur. We're going to worship the Lord. Car il est bon et il est merveilleux. Because he's good and wonderful. J'aimerais adorer avec quelqu'un. I'd like to worship with someone. J'aimerais adorer avec celui-là. I would like to worship with that one. Dans la parole qui est sortie cet après-midi. Which the word that came out tonight. L'a touché. Touch their hearts. Si ton cœur est brisé. If your heart is broken. Viens devant. Come here in et l'Éternel va faire quelque chose cet après-midi. And the Lord will do something. Si ton cœur est troublé. If your heart is troubled. Viens devant. Come forth. Et l'Éternel va te guérir. The Lord will heal you. Adorons le Seigneur. Le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, a posé des questions pertinentes. Donc, quelqu'un sommes-nous? Sommes-nous comme Joseph d'Arimathée? Ces trois mamans qui sont venues, qui veillaient sur le corps de Jésus? Ou alors sommes-nous dans le camp des envahisseurs, des imposteurs? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger l'œuvre de Dieu? Ces trois mamans et Joseph d'Arimathée ont veillé sur le corps de Jésus. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour protéger l'œuvre? Sommes-nous avec les envahisseurs, les destructeurs, les acolytes du diable? Non. Il est temps de revenir aux meilleurs sentiments, de se réveiller du profond sommeil, quitter le camp des destructeurs, venir dans le camp de Jésus pour le salut des âmes, pour protéger l'œuvre, pour veiller sur l'œuvre qui nous a bénis, l'œuvre qui a restauré nos foyers, l'œuvre qui a renouvelé notre intelligence, qui nous a donné des enfants, le mariage, le salut. Quittons le camp de l'ennemi. Ne soyons pas comme ses disciples. Juste après la mort de Jésus, ils sont retournés aux anciennes choses. Non. Restons focalisés sur la parole de Dieu, sur la vision. Et Dieu Tout-Puissant, qui est ressuscité, qui nous a promis le Consolateur, nous vivrons réellement la véritable consolation et nos âmes, nos cœurs seront en paix. Comment ne pas bénir le Seigneur pour ce message qui nous interpelle à revenir aux meilleurs sentiments, à construire l'œuvre de Dieu, à veiller à ne pas détruire l'œuvre de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre cette flamme en nous, ce désir en nous. Alors, nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ses serviteurs qu'il a puissamment utilisés pour nous bénir. Et juste après ces interpellations, ces messages, un moment d'adoration à l'Éternel pour le bénir. Lui qui nous aime, qui ne veut pas notre perte, qui nous vient toujours nous enseigner. Adorons le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas pu adorer Dieu, tu étais distrait, tu étais occupé. Profite de ce moment pour adorer le Seigneur avec nous. Adorons Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tes problèmes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Je nous
Situation difficile fléchira les genoux devant celui qui console les cœurs brisés. Oui, tes problèmes fléchiront le genou devant le Tout-Puissant. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Nous le déclarons encore. Il a reçu le nom. Il a reçu au-dessus le nom. De tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau, qui est comme toi, Seigneur? Les genoux fléchissent devant toi. Ce soir, tu nous consoles, tu consoles les corps brisés. Ton nom est Jéhovah, puissant guerrier, fort dans le combat. Alléluia. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Et puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Yeah.
etindinga na yema obongira kembo moba yoyo adoration. Alléluia. Une adoration pour préparer nos cœurs à être sensibles à l'œuvre du Seigneur, à aimer, à retourner à la présence de Dieu. Ne soyons pas comme les disciples, revenons à l'Éternel. Soyons comme ces trois mamans, comme Joseph d'Arimathée, accrochés au Seigneur. Et la promesse du Saint-Esprit ne va pas nous rater. Nous vivons réellement la véritable Pentecôte. Même avant la Pentecôte, nous vivrons. Ne soyons pas pressés seulement à coups de vêtements blancs. Purifions notre cœur pour véritablement vivre la Pentecôte. En tout cas, nous bénissons Dieu Tout-Puissant pour ce message puissant des hommes de Dieu qui nous ont bénis. Nous avons la ferme assurance que vous aussi qui nous avez suivis avez bénéficié de ce message qui nous a bénis. C'était comme ça, là, mesdames et messieurs, le commentaire d'adoration de ce dimanche 5 mai 2024 du côté des États-Unis, précisément au siège de Dallas, où nous avons eu 4 temps forts, le témoignage de Maman Sarah, délivrée de la condamnation du célibat, aujourd'hui elle est mariée, sert Dieu du côté de la cure d'âme et délivrance. La prise de parole de Madame Cassia pour présenter la délégation qui se retrouve du côté de Dallas et les raisons pour lesquelles ils sont allés. Et aussi le message du jour livré par Pasteur Paul Kaungu et la confirmation du berger sentinelle et Papa Alain Gabriel Olongui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. À nous revoir pour un prochain numéro. Rappelons-nous, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.